Salut à tous et à toutes, bienvenue sur votre chaîne Yvan des Dramas. Aujourd'hui je vous présente le résumé de la série La Force du Cœur, épisode 124. Mais avant de commencer, j'aimerais vous parler de la chaîne YouTube Connaître l'Allemagne, tenue par Sofia Diallo. Dans ses vidéos, elle vous explique tout ce qu'il faut savoir avant d'entreprendre un voyage pour l'Allemagne. Grâce à son expérience, elle vous aide à connaître et à comprendre le système de fonctionnement des universités d'Allemagne. Grâce à ses conseils, elle vous aide à facilement vous intégrer et à réussir votre année en tant qu'étudiant. Alors n'hésitez pas à la suivre sur sa chaîne YouTube, Connaître l'Allemagne. Ses conseils vous seront utiles. Je laisserai le lien de sa chaîne en description. À la maison de la plage, Juan Marco se rend compte que la femme qui le suivait depuis son arrivée n'est pas Fernanda, mais est plutôt une agente de la police qui a été envoyée là pour le protéger. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée qu'on vous ait envoyé. Si la police est là, Fernanda ne viendra pas. Mon devoir est de vous protéger, monsieur Arroyo. C'est ce que je fais et ce que je vais continuer à faire. De l'autre côté, à l'hôpital, Willy, qui a été opéré des yeux, a été mis dans une chambre d'attente. Et Samantha est tout de suite allée voir si l'opération de Willy avait réussi. Et celle-ci se rendit vite compte que Willy n'est désormais plus aveugle. Tu m'as vois ? Ah, tu sais quoi, Navarro ? Sur le plus beau décolleté du monde. Et tu sais quoi? Ce n'est pas désagréable. Merci, mon Dieu. Merci. Merci, mon Dieu. Maintenant que De La Vega a appris qu'une autre femme portait l'enfant de Samantha et de Willy dans son ventre, et que cette femme travaille également pour Bernardo del Castillo, il s'en va tout de suite pour voir Bernardo del Castillo et dire à celui-ci qu'il est au courant de toute la situation, chose qui inquiète vraiment Bernardo. Qu'est-ce que vous savez de Clara Salvatierra? Oh, je sais tout. La seule chose qui me manque encore, c'est... Pourquoi est-ce que vous l'avez prise comme assistante? Oui, bien sûr. Je m'interroge parce que vous ne faites rien sans raison. Et est-ce que vous allez tout dire à Samantha et Willy? Oui, j'aurais pu le faire, mais je ne l'ai pas fait. Ah, De La Vega. Vous êtes vraiment comme moi. Vous voyez toujours cette petite lueur qui est là tout au fond du tunnel. Tous les deux, nous croyons qu'en faisant ce que nous faisons, nous allons récupérer Samantha. Et bon, nous verrons qui de nous deux sera le plus fort. Mais dans cette bataille, il ne pourra y avoir qu'un vainqueur. Et la seule chose sur laquelle nous sommes d'accord, c'est que ça ne peut pas être Willy. Une fois de plus, De La Vega se rend dans la chambre où se trouvent Samantha et Willy et continue à mentir à ceci, car il dit à Samantha et à Willy que Lorena n'était pas enceinte et qu'ils n'auront jamais leur fille. Je dois te croire. Oui, j'ai toujours été sincère avec toi, Samantha. Non, pas toujours. Malgré ce que je ressens pour Sam, je sais que je ne peux rien faire. Tu as découvert d'autres choses sur Lorena ? Non, rien de nouveau. J'ai reçu le fax de l'autopsie et il n'y a pas de doute, elle n'était vraiment pas enceinte. Il y a autre chose que je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qu'elle gagnait à nous faire croire à sa grossesse puisque cette petite n'allait jamais naître? Willy, tu sais, j'ai franchement peur que notre embryon ait pu être utilisé. Non, je ne crois pas. Pourquoi pas? Non, je ne crois pas que dans cette clinique, il puisse te passer une chose pareille. Dans cette clinique, ils ont fait une échographie d'un bébé qui n'a jamais existé, Esteban. Alors tout est possible. Willy a parfaitement raison. Je ne vais sûrement pas rester les bras croisés. Je vais enquêter au fond des choses. Et si jamais ce bébé existe, je vais le découvrir. Fabiola Ferrara demande à Miguel Valdez de l'accompagner au centre commercial pour qu'elle puisse faire du shopping. Une fois là-bas, celle-ci se met à choisir des tenues, mais elle semble ne pas être très douée pour faire le shopping. Oui, je trouve ça très mignon. Miguel, ce truc, c'est horrible. C'est pas mal, non? Non, ça, c'est abominable.
Ok. Miguel! Est-ce que tu dormais? Regarde ce que tu me fais faire et en plus tu dors, je te hais, tu sais? Pardon, c'est vraiment ravissant ce nombril. T-shirt, je veux dire, pardon, il te va très bien ce t-shirt, je te jure. C'est ravissant. L'inspecteur accompagne Angela jusqu'à sa maison. Une fois là-bas, lorsque les enfants voient dans l'inspecteur, ceux-ci ne sont pas très fiers. Et Genesis ne manque pas à rappeler à l'inspecteur que le mari de Angela n'est personne d'autre que Juan Marcos Arroyo, son père. Merci de m'avoir amené. Lorsque De La Vega se rend à l'entreprise pour causer avec Bernardo del Castillo, il tombe nez à nez avec la femme qui porte l'enfant de Samantha et de Willy. Celle-ci, en voyant De La Vega, ne comprend pas ce qu'il fait là, car il avait menti à cette dernière qu'il était docteur. De l'autre côté, à l'hôpital, Samantha vient dans la chambre de Willy pour l'informer qu'une amie qui travaillait avec Lorena à l'hôpital a quelque chose de très important à leur dire. Recevoir un appel d'une amie de Lorena qui travaillait avec elle à la clinique. Et qu'est-ce qu'elle veut? Elle dit qu'elle a quelque chose d'important à nous dire et qu'elle vient ici. Et quelques minutes plus tard, la femme qui connaît donc tout le secret de Lorena vient donc à l'hôpital pour le raconter à Samantha et à Willy. Nous avons été très intrigués par votre appel. J'étais très amie avec Lorena. J'étais au courant de tout son plan. Maintenant, je viens tout vous raconter. Et de l'autre côté, au bureau de Bernardo del Castillo, la femme qui porte le bébé de Samantha et de Willy ne comprend plus pourquoi Bernardo del Castillo veut autant l'aider et pourquoi De La Vega la court après. Oui, nous pouvons y aller. Oui, mais avant, je voulais vous dire que tout à l'heure, un homme est venu ici que j'avais déjà vu à l'hôpital où se trouve mon père. Mm-hmm. Et il m'a dit qu'il faisait partie des services sociaux. Ah bien, et ce n'est pas le cas? Non. Il s'appelle Esteban de la Vega. Il serait garde du corps. Monsieur Del Castillo, qu'est-ce qu'il y a? Fabiola Ferrara et Luis Martinez sont toujours dans la boutique de shopping en train de choisir des vêtements. Lorsque Fabiola sort donc de la boutique, elle part et Miguel Valdez ne la retrouve pas. Chose qui l'inquiète vraiment car des hommes sont à la poursuite de Fabiola Ferrara pour la tuer. J'espère que tu es heureux parce que tout ce paquet-là, c'est ce que je vais porter. Ok, ça me paraît très bien. Tu payes toi ou je paye moi parce que j'ai pas un centime? Alors je paye, non? Super sur toi. Si. Non. Si, pourquoi pas, tu devrais l'essayer. Parce que c'était pas mon style. Si, bien sûr que c'est ton style. Plus tard, on ira dans un autre magasin pour trouver autre chose parce que cette chemise ne s'accordera jamais. Tiens, essaie-le. Fabiola. Fabiola. Monsieur, les vêtements. Fabiola. 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 We'll be right back.
Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.